Bonjour tout le monde! Bienvenue à ma deuxième vidéo pour aujourd'hui, que vous voyez quelques jours plus tard, là, mais bon, moi je vois ça dans mon feeling, quoi. Donc, comme je vous parlais, c'est dans ma série de trois que j'avais acheté d'un coup. On parle de après Colossus, pas Colossus après Magneto, on parle de Colossus. Donc, Marvel Comics, Art Scale 1-10, Marvel Série 4. Ouais, on a sorti quelques-unes dans la série 4, dont Captain America. J'ai aussi ben, le Magneto. Ça ressemble à ça. On devrait en avoir d'autres éventuellement, mais pour le moment, c'est ça. On y va avec la boîte, tout simplement. La boîte Colossus, avec les informations. Son chest, côté de son chest, le derrière de son chest, le côté de son chest. Iron Studio. Oh boy, a true hero's measure by his compassion. Cré Colossus. Et là-dessous, Iron Studio, petit drapeau du Brésil. Donc voilà, c'est tout. On arrête là pour la boîte. On continue avec le dévoilement. Donc, allons-y pour le dévoilement de Colossus. On commence par la base. La fameuse base. Je vais m'habituer. Sont tout de même les vieux. Puis j'adore les vieux. Donc, vous savez, je suis un amateur de classiques. Toutes les classiques. Modèles classiques, je pourrais dire. Donc, la base avec le tour des classiques de la série 4. Balance-en, Colossus, Iron Studio, blablabla. Donc, on y va comme ça. On tourne ça. Donc, il est de toute beauté. Ah, il n'y aura pas 50 pièces à client. Je crois qu'il y a une version exclusive. Je ne m'en rappelle plus. C'est pas celle-là que j'ai, en tout cas. Ouais, c'est ça, c'est pas ça l'objet. Donc, waouh! Quand même bien. La peinture est vraiment beau. Si je regarde profondément les lignes noires, oh, quand même. Sont bien faites. La couleur argent est belle. Son saut, il est beau. Ouais, les bottes sont belles. Le paint est parfait. Il est super beau. Wow. Non, franchement, là. Oh, un petit défaut là, mais non, c'est juste une petite affaire de noir qui est dépassée, mais à peine en arrière en plus. Donc, on s'en soucie pas trop. Y a rien à refaire là-dessus. Il est superbe, franchement, là. Il est vraiment beau. Waouh! Quand même, hein? Superbe. Et son petite main, je pense qu'il tient quelque chose. Ah non, c'est ça. La version exclusive, il tient un genre de filage de sentinelle, quelque chose. Ouais, moi, j'ai juste une main bien ordinaire. C'est pas plus grave que ça. Regardez, on peut pas tout avoir. Ça m'a amené. J'aime bien Colossus, mais. Trouve beau, mais pas mon préféré. Donc, juste la version classique. La version régulière que je vous présente maintenant. Ses cheveux. Sa coche. Il est beau son soute. Ah, il est vraiment beau, je suis content de l'avoir. J'aime bien Colossus. C'est une chouchoute, là, mais je l'aime bien. Bon, ça va être tout. On s'arrête là, tout simplement. Voilà, Colossus. On se revoit dans quelques instants pour le bilan. Rebienvenue pour l'évaluation finale de Colossus série 4.
de Iron Studio Grandeur 1-10 de ma collection. Donc, on y va, on commence par le début, la base. Bon, vous savez comment j'aime ces bases-là. Mais, elle est pas si pire, tu sais, il n'est pas comme d'un diorama, il n'est pas en action, quoi que ce soit. Il fait juste son imposant. Et c'est correct comme ça. J'aime Colossus comme ça. Il est beau, vraiment belle statue. Détails sont parfaits, la peinture est parfaite. J'ai vu une ou deux places, là, des petites coches de noir, là, mais regardez, il faut vraiment s'arrêter pour chercher les défauts. Comme ça, là, je la regardais un petit peu au loin, là, c'est quoi, j'étais à environ un pied et demi, puis je les vois même pas. Donc, vraiment pas important. C'est la version régulière, c'est pas la version exclusive. La version exclusive, il y a une main droite qui tient, je pense, des filages d'une sentinelle, quelque chose du genre, je sais pas trop. Pour le reste, son saut est super beau, les détails sont bien faits, la peinture est bien faite, son visage est bien fait, ses cheveux sont très bien, sont clean, sont droits. C'est superbe, j'ai rien d'autre à dire sur cette statue-là. Le X en avant, bon, les X-Men, hein. Mais non, il n'y a rien à dire. Belle petite statue, je suis content de l'avoir. C'est Colossus, hein, il n'y a rien d'autre à dire. Ma note, je vais lui donner un beau 8 sur 10. Vraiment, il est vraiment beau. Ouais, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Donc on arrête là-dessus. J'arrête, on va pas plus loin. Belle statue. C'est tout. Merci. Merci à tous. Merci à tous d'avoir vérifié ma vidéo, d'avoir analysé ma vidéo, d'analyser la statue en même temps que moi. Si vous avez des commentaires, quoi que ce soit sur la qualité des statues, sur mon travail en général, j'ai besoin de commentaires. Je suis un débutant quand même. Je suis déjà à quelques vidéos de fait. C'est ça. J'essaie de me dépêcher parce que j'ai hâte d'avoir ma collection. J'ai plusieurs statuts affichés, puis je veux me rattraper pour être à jour avec tous les autres youtubeurs qui présentent leurs statuts pratiquement au jour le jour. Donc voilà. N'hésitez pas à vos commentaires. Vous voulez m'écrire, vous avez des statuts à vendre brisées? N'hésitez pas, contactez-moi. Mark Vader Collector à commercial@gmail.com. Passez une bonne fin de journée. Merci d'être là. Au revoir.